J'ai cramé les larmes. J'ai une théorie selon laquelle la c*** a même pas été préparée aujourd'hui. La c*** était toute dure, on dirait de sa coche. C'est trop mec. Les gars, c'est une dinguerie. Je vais faire un malaise. Les gars, je vais faire un malaise. Je sais pas comment. Je me sens pas bien, je me sens pas bien. Je dis rien. Mes yeux saignent. À ça, quand j'ai le préservatif, je me dis, on peut pas faire pire. Mon pied est disqualifié. Bon, les gars, on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue. Mon dîner presque raté, let's go! Pou. Je sais que c'est le meilleur dîner presque raté que vous allez voir, je sais que vous l'attendiez de fou. Là pour l'instant, il n'y a pas les Jackson. Je vais commencer à préparer les trucs. Je vais aller prendre les ingrédients, on va commencer à préparer tout doucement. Mais déjà, est-ce que vous avez confiance en moi? Dites maintenant en commentaire si vous pensez que je vais dead ça ou pas, si vous pensez que je vais flop, on sait pas peut-être. Bon les gars, là vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas d'affaires. Je vais pas cuisiner du vide, donc du coup, on va aller faire les courses. Je me sens confiant, je sais que je vais faire mieux que ce raciste de Totoch déjà. Je vais laver Evan, je vais laver Loni aussi. Chess, ça va être dur, mais je pense que ça va le faire du coup. Vous allez venir avec moi, on va faire les courses et c'est parti. Bon les gars, pour la première recette, c'est parmi mes trois recettes anthologiques. Je vais faire une quiche, tu connais, pour l'entrée, je vous donne. Aïe, je prends du porc, hein, mon gars. Ça te dérange pas? Hein? Ouais, t'inquiète. Hein. Bah, vas-y, tu vas manger de toute façon. En vrai, t'as vu, même si t'es musulman, si tu sais pas que c'est du... Non? Bah là, je sais, là. Entière. J'aurais pu, hein, t'as vu, genre... J'ai ma propre crème fraîche, t'as vu? Mais je pense que j'aurais pas assez pour les Jackson. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Une pâte à tartiner. Et je te parle pas de la daronne là, que je vais... Non, on a la pâte feuilletée, j'ai le seum parce qu'il y a écrit pâte feuilletée au lieu de pâte à tartiner. Alors que moi, vous savez très bien, je tartine. On en a pour combien déjà, Youb, là, tu penses? T'as vu, un sandwich, c'est bien en vrai pour l'entrée, non? Si j'achète un petit sandwich d'entrée, t'as vu, il est toujours RTA là, non? Non, mais attends, mais regarde, c'est trop cher là. Moi, j'ai pas d'argent, moi. Vous avez intérêt à liker, commenter, partager. Je dois rentabiliser, hein. Les gars, je crois qu'on a un problème. Bon, je vais vous dire mon deuxième plat. En fait, à la base, je devais faire un riz au poulet au curry. Mais en fait là, si vous voyez bien là, huile, oignon, d'ail, sel, poivre noir, sauce tomate, curry, lait de coco, t'as vu? Ça commence à faire cher un peu, il y a trop de trucs. Donc je crois que je vais juste partir sur du jeu. Je vais pas dire ce que je vais faire, mais je vais faire un truc, ça ressemble un peu à ça. Là je vais faire une dinguerie à you. Bon les gars, alors on va prendre le riz. Uncle Benz représente Martin Luther King, Nelson Mandela. Ouais, tous les autres ils sont trop nuls ma gueule. Uncle Benz ma gueule représente. Oh, quand mal de ouf lui, ça filme là? Merde, j'espère qu'ils ont pas entendu que j'ai insulté le daron. C'est ça. Bon les gars, là on va prendre la farine. Si tu vois ce que je veux dire. Et je te parle pas de farine Pablo Emilio Escobar. Hein. Pour la farine, une bonne farine, ça se reconnaît à la texture du sachet. Alors, on prend le moins cher. 85 centimes. Oh là là. Bah je vais en prendre deux. Attends, oh, faut prendre du sucre vanillé aussi. 2 euros. Mais tu me suis comment un sucre vanillé c'est plus cher que de la farine? J'espère que ce sera suffisant. Normalement, c'est carré. J'ai pas envie de faire une boisson simple. On va mélanger les saveurs pour faire un mélange de magma, un mélange de multivitamines, un peu, tu vois. On va commencer par un petit. Vas-y, fraise framboise. Une branchée avec un petit pêche abricot, tu vois ce que je veux dire. Et pour finir, un petit truc gazeux. Du mérinda, non? C'est carré, on a tout. Et on peut passer à la caisse maintenant. Oh, pitié, les gars, j'allais oublier. Je vais faire découvrir au Jackson le doux mélange du sirop et du lait. Donc là, tout de suite, on va aller prendre 2 bouteilles de lait. 67-72. Ok. Donc, je paye par carte. Mais là, que ça passe pas au nous. C'était. Toi, ça paye maintenant et tout. Oh. Ayoub, j'ai oublié de prendre du poulet. Putain, mais je crois qu'il n'y en avait pas là-bas. Comment on va faire? Oh, je dois trouver une solution là. Non. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que tu connais, on n'a pas de poulet et tout, genre... Bon, on peut rentrer à la maison, non? Vas-y, on rentre à la maison. Vas-y, vas-y. C'est là-bas, je crois. Tu fais quoi? Pour ma maman. Ma maman, elle a besoin de poulet. Là ça va pas passer là. Donne vite tes poches. Vite, non, tes poches, mon ref. Vite tes poches, mon ref. Attends, j'ai dépensé 100 balles pour ces fils de. Ils vont terminer mes plats là. C'est passé. Oh, Seigneur. On va récupérer nos poulets. Ah, mais les poulets de ma maman. C'est pour ma maman, c'est absolument pas pour moi.
Ok les gars, on a tous les ingrédients. Les 100 balles de course, hein. Ça c'est pour ma maman. Ne vous inquiétez pas, faites pas attention à ça, c'est pas un problème. Du coup, on va commencer par l'entrée directement. On va commencer par faire la quiche. Bien évidemment, pour commencer, on se lave les mains. Bande de sales garçons, tous ceux qui font pas ça, hein. Sales filles, sales garçons. J'ai pas de savon, mais pas grave. Alors, pour faire une quiche, nous avons besoin des ingrédients, c'est-à-dire des œufs, la crème première, crème ta mère, bref, t'as compris. Il nous faut des lardons. Mes refs, désolé, il n'y avait pas halal. Du coup, vous allez manger la saucisse. C'est pas du porc. Dernier ingrédient très important de la pièce maîtresse, qui est Ayoub, mais du coup on a fait ça. Elle où la pâte à tartiner? Hein? Non mon ref, non. C'est pour ma mère, Yann. C'est pour ma maman. Tu comprends pas quoi, toi, c'est pour ma mère, putain. Oh, mais pourquoi il y a 4 salades pour ta mère? Parce que elle a de la famille, t'es con ou quoi? Frère, pourquoi il casse les couilles, lui? Frère, Belek m'envoie un message, moi je peux utiliser. Hein? Il nous faut cuire les lardons en premier. On va allumer le feu. Et nous allons, tout doucement. Mais comment on allume ici, si ça c'est... On va attendre que ça cuise un peu, on va mettre les lardons. Et à côté, on va préparer du coup tout ce qui est... Les œufs, crème fraîche. Vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'un vrai cuisinier. Tantôt, cette fraude. Ouais, c'est mon ennemi numéro 1. Moby, c'est pas cuisinier. Tu vas voir ce que je vais faire. C'est moi Cyril Lignac, Moby Lignac, Moby et Chebest. J'arrive pas à ouvrir. Parce que c'est la tête. C'est super simple, frère. Le bouton ne bouge plus. En fait, c'est mon passif avec les hops. T'as eu le mouvement, comment j'ai fait? Ça se voyait que. À l'aise, tu mets un peu de confiture, genre, ça repasse, non? Non. Vous n'avez pas besoin de mettre d'huile, parce que les lardons produisent déjà de l'huile. Là, il y a la graisse des lardons, du coup. Je vous apprends quelques trucs en même temps. Ensuite, on va prendre le deuxième paquet, les gars. Ensuite, une fois qu'on a mis les lardons, on va prendre un petit bol, histoire de mettre, battre 3 œufs dans le truc pour faire une bonne quiche. Mais tu vois, j'ai un cuistot. Eh, je suis rappeur, youtubeur, footeur, basketteur, cuistot. Qu'est-ce que je ne sais pas faire, Elian? Non, mais dis-moi. Est-ce que t'es une meuf? Fais ça. Tu vois, ça se mousse, faut que ça. Alors là, la partie la plus importante. Tu me mélanges tout ça, tu me touilles. Tu vois, comme si c'était une... Tu vois, délicatement. Après, t'accélères, tu vois ce que je veux dire? Tu commences doucement pour que les sensations, elles viennent petit à petit après. C'est ça que t'aimes, hein? À côté de ça, on peut très clairement commencer déjà à placer la pâte à feuilleter. Sinon, vous, les gars, vous allez bien? Ça sert à rien de me répondre, je vous entends pas, mon de con. Oui, ça emmène nous faire des bêtises. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut danser la bachata, on peut au montage une petite musique. Arriva, toi là. Ok, on va baisser le feu là. Les larmes commencent à être sous haute tension. Si tu vois ce que... Regarde comment... Ah, ça commence à... Ah, sa mère. Voilà, il y a... Voilà, un peu du four. Oh, merde. Attendez. Hein. J'ai cramé les larmes. On va y aller. Ah! Oh, c'était chaud! Bon, j'ai un tout petit peu raté les lardons à cause du four et d'Ilian, mais ça va! Oh, Seigneur! Oh, c'est chaud alors que j'ai un gant. Ok, là, les gars, il va falloir être très minutieux, très technique. Bon, bref, il y a un peu de graisse, mais c'est pas grave. Merde, j'ai fait beaucoup trop de lardons, les gars. Donc, je pense que cette partie, on va la garder. Oh, regardez, il est noir. Regardez, c'est noir, là. Cramé, bah. Un peu très raciste, non? Pas trop. Uno. Dos. Tres. Et là, je mélange. Et là. Là, à première vue, ça donne pas trop envie. Mais quand dans la bouche, ça rentre dans ton oesophage et ça glisse dans l'intestin grêle situé entre le pancréas et la prostate. Là t'aimes. Là je sais que t'aimes ça. Bon les gars, je crois que j'ai mis trop de lardons et pas cette crème fraîche ou trop. Mais bon, à l'aise. Faut pas qu'il voit ça, c'est pour ma maman. Là, on passe à la partie la plus satisfaisante, je pense. Là il faut une délicatesse. Ça me rend tout gros cuicui. Et là t'étales. Et là les gars,
cerise sur le gâteau. Oh, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ça me rend. Ça me rend. Toutes choses, oh ma vie, ça, maravillosa, des papi, des Kellini, des Bonucci, des Raphaël, des Léao, des Chiesa, des Franck Ribéry, des Guini, Inzaghi, Pirlo. Maldini, ça respire l'Italie. La quiche, ça vient d'Alsace ou d'Italie? Oh, est vraiment fou, quoi. Attends, oula, aïe, 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 aïe. Ah! On est dans les abysses ou... Ouh, c'est vraiment très chaud. C'est vraiment waouh, assez calme. Ça sent les saucisses. Ça sent le breakfast américain. Ça sent les saucisses, hein. Ils arrivent. Je sais pas qui voit. Moby. Comment ça va, les amis? Ça va et toi? Ça va beaucoup. Ça va, ça va. Tu veux pas aller là-bas, genre? Là-bas, là? Ouais, là-bas. Oh. Ça sent les saucisses. Non, même pas. Moby, my G, ça va quoi? Ouais. Ça va, mon ref. Ouais. My G. Voilà, moi. Il a fait une omelette. Déjà, il a fait des saucisses, frère. Mais avec, je pense qu'il a fait, nous a fait une omelette. Déjà, ça sent le mélange. Ça sent les œufs, la saucisse. Tu as fait des breakfast. Comment ça, quand il pète, ça a la même odeur. Ça pue dans toute la maison. C'est ça, en fait. J'ai même pas envie de manger. Ça se trouve, c'est son thème, wesh. Thème, États-Unis. Non. Là, on est à Saint-Denis. Pas États-Unis. Saint-Denis. Mais Saint-Denis, c'est thème quoi, KFC, frère? Non, c'est. Très raciste. Hein? Très raciste. T'es pas raciste, hein? Il est pas raciste, hein. Non, on est parti voir Black Adam la dernière fois, il est pas raciste. Moi j'ai aucun problème à dire le mot black en français, quoi. Bah moi non plus, hein. Noir? Non, tu vas dire. C'est black, on dit pas noir. Noir c'est insultant alors que black ça passe crème. Bon Luigi, ouais. C'était comment là? Toi. Vous pensez que j'ai ça, ça pue sa mère, non? Oh mais en fait, ça pue. Ça sent. Ça sent? Ça sent. Ça sent. Ouais, ça sent. HS, au nom de Dieu, c'est le tournage à Moby. Pourquoi tu m'appelles? Moby, va te faire enculer. Comment faire du riz? Je sais pas que je sais pas faire, mais j'aurais jamais fait du riz Uncle Ben. Mais il faut pas. Il y a pas une recette. Non, laver le riz d'abord. Vous faites pas ça, vous? Imagine, il mange du riz seul. De toute façon, il mérite que ça. Bon, bah, couilles. Quelle belle journée, vous trouvez pas? Super journée pour mourir d'une intoxication alimentaire. On va aller choper la chiasse. Mon rêve! Yo! Ça dit quoi? T'es BG, mon gars? Tu veux pas aller là-bas, là? Non, mais je regarde même pas. Ok, je t'ai toujours. Mikey! Tranquillement? Je regarde même pas ce que tu fais. Tranquillement, bah, je te laisse les rejoindre. Je baisse la tête et vas-y, tout. Vas-y, vas-y, tiens, je laisse les clés ici. Vas-y, merci, mon ref. Vas-y. Oh. Attends, mais à la fin, il tire pire, là, par contre. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais ça, c'est, tu vois pas, c'est du sirop. Ça ressemble un peu à du sang, c'est vrai. Mais il, est pas, il pouvait pas venir le troisième cadreur. C'est comme ça qu'on nettoie. Le crime, ça casse les couilles en fait. Grâce à la communauté, je suis tenu ok. J'ai fait un concert, ça s'appelait conserve. Moby, dîner presque raté, on va travailler des conserves. Les conserves, ouais. Les conserves. Putain, en vrai, dans la vie, à quoi? Les conserves. Les conserves. Les conserves, Hunter, Hunter, dis-moi à quoi conserve. Ouh, conserve, à quoi conserve. Tu m'énerves, je sors de mes gonds, je sers. Moi je suis tu vois Oxmo Puccino, c'est le cousin à ma tante. Donc je connais un peu. Ah ouais, ouais, il m'appelait Oxmo Cappuccino moi quand j'étais petit. Parce que je suis un peu plus clair que lui. C'est de créer un plat qui regroupe tous les pays, on est d'accord, c'est ça? Ok, putain, là il a fait un... Là il a fait des acras au foufou. Il a fait des acras, il a fait des acras au foufou. Là il a fait des hot dogs, y'a ça. Vidéum. Ah bon, lui par contre, en Sarge, j'ai la diarrhée. Il a fait des crocs foufou. Des crocs missiers. Il a fait un grec au riz. Oh non, sandwich au tagine. Gratin de yassa. Il a pas fait un bœuf bourguignon, il a fait un bœuf Kinshasa. Toute patate goulognaise. Sandwich jambon pili pili.
Vous avez une soucoupe volante. Oh la dé. J'ai pas fait des petits trous. Oh non, fallait faire des... Oh merde. Parce qu'en fait, faut faire des petits trous pour pas que... Ouais. Énorme, énorme. Tiens, on va sortir le plat ou la bête. On va sortir la bête ou bête. Ça m'a brûlé. C'est cramé. Ça va. Oui, ça va. La vie, c'est beau. Vous en pensez quoi? En fait, y'a rien à l'intérieur du coup. Putain. Ils vont me terminer. Ma brebis. Oh là là, c'est un colvé. Oh Seigneur. Visuellement, ça a l'air un peu bon. Visuellement, ça a l'air immonde, frère. Ah bah écoutez. Ma brebis, ça fait tout bien. Meanwhile, j'ai eu l'accord de ma mère pour utiliser ma salade. Du coup, je te je devais pas utiliser genre, mais Belève du coup. Je vais pas voir. Aujourd'hui, Mobile a perdu 2 points. Il m'a envoyé je sais pas où pour des casseroles. Je lui jure, il va perdre. Perdre 2 points d'office. Il m'appelle le matin pour me dire qu'il a pas de casserole ici. Donc moi, je me dis, bah vas-y, je vais l'aider. Je suis allé à l'autre bout là où on a des vraies casseroles et tout. Il m'envoie un message, ouais, t'es où? Non, 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 tout le monde est prêt, on doit manger. On est des chiens en fait. Ah, en fait, on a des gamelles. C'est ça en fait, hein. Ah, le thème c'est animalerie. C'est ça, c'est animaliste en fait. Putain, c'est cringe. C'est le cas a compris. Qu'est-ce qui nous ramène? Et je parle pas de Naruto. Je sais qu'il puisse pas cuisiner, ça va être dégueulasse. Donc, C'est méga moche. Ah, c'est une quiche au lardon? Ah, mais non, mais on est des hamsters, c'est pour ça, wesh. Il a mis des feuilles et tout. Et où la décoration? Tu sais quoi? Et où la déco? Où la déco? Wesh, t'as de l'argent, est-ce que une quiche t'as? Oh, toi, t'es fort, wesh. Waouh. J'ai jamais vu une quiche. La compte, elle est bonne balèze, on dirait une tribune. Regarde. <Okay, rire> Oh non, la quiche, elle veut pas bouger, on dirait le garde à vue. Eh, y'a pas de vinaigrette? Non, y'a pas. C'est vraiment une mauvaise personne, même s'il a mis du jambon, hein, je suis désolé. Vous entendez le bruit? Là déjà c'est sec. Franchement, c'est pas mauvais. On va dire c'est la première fois que je vois une quiche aussi plate qu'une feuille en fait. C'est quoi ça? Mon gars, guette la bordure frère. Non mais c'est plat, on dirait chewing-gum. C'est chiant parce qu'on dirait une quiche mais faite à la manière d'une pizza. C'est ça, c'est carrément ça. C'est ça. C'est quoi mon thème? Répétez mon thème. C'est t'as pas de thème ma gueule, tu n'as rien dit. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit quoi tout à l'heure? On mélange. J'ai mélangé une quiche et une pizza à l'italienne. C'est moi je vais te donner l'idée. Oh non. Non mais oh c'est non. Du génie, c'est du génie, c'est du waouh. Ouais. L'entrée est déjà meilleure que celui de Toto. Merci, merci. Ah oui, largement, ça va. Non mais c'est comestible. Ouais mais ça, dommage, elle est sec. Eh, je t'ai demandé une part, pourquoi tu me ramènes un... T'es pas content? Non mais c'est... Mais guette la part ma gueule. C'est pas ce que j'ai mangé là. Là, vous savez que j'ai une théorie. J'ai une théorie selon laquelle la quiche n'a même pas été préparée aujourd'hui. Mais Moby, il y a du jus. Oui, bien évidemment. Mais ramène. Je vous ramène ça, je vous ramène tout, les chats. Non, non. On sort, par contre, on dirait on est des hamsters. Moby, il n'y a pas de sauce sur la salade. Tu veux de la sauce, chef? Tu n'as pas de moutarde? Tu veux ma crème? Je mange pas ça. Il n'y a pas de sauce, par contre, je l'arrache. En gros, je suis un lapin. Je le fais pas ici. Ah, je te rappelle l'entrée de cet énergumène là. Bah, en soi, c'était moi j'ai aimé. Arrête de comparer. Là, on parle de ton dîner là. Qu'est-ce que tu compares? Vraiment aucun effort sur la salade. Tu vois, non, mais. Une petite sauce, un petit truc. Si vous il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de goutte d'eau. Ouais, c'est vrai, on a même pas de couvert, Moby. J'arrive. Ouais, t'arrives. Il a même pas nettoyé la table. Oh non. Regarde, il n'a pas nettoyé la table là. Nettoie. Mais il a raison, c'est pour les hamsters, faut laisser partir. On a déjà tout mangé, tu ramènes ça trop tard. Tiens, moi. Ah, le thème c'est le jardinage. Ah, ok, j'ai capté. Regarde comment il descend, écoute.
Et gros, il m'a posé tout. Non, la quiche était bonne, mais il faut l'évaluer dans son entièreté. Normalement, une quiche, tu peux même manger la croûte. Là, tout le reste est cramé autour. En vrai, tu manges que ce qui est au milieu, là. Dans ces cas-là, en vrai, moi, ce qui me choque, c'est qu'il a acheté une salade. Il a pris la salade, il l'a mis dans l'assiette. Dans son entièreté. Normalement, une quiche, tu peux même manger la croûte. Mais de toute façon, Evan, lui, t'as des goûts basiques. C'est du quoi de Mirinda encore? Attends, il a mélangé Mirinda, il a mélangé Mirinda Oasis, il a fait un coup de tête. Non. Si, si. Moby, Gabi, il a aucun sens du service. C'est-à-dire, il cuisine, il ramène ton verre comme ça, là où tu mets ta bouche, là, tu ramènes comme ça. Déjà, il a mélangé Mirinda Oasis, ça enlève du gaz, déjà au Mirinda. Arrête. C'est moins gazeux. Il a pas fait ça. Il a fait ça. Et ensuite, tu le sens, l'Oasis, mais ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. On a juste gâché le gaz. On a juste perdu du gaz, en fait. Moi, je trouve, il y a un petit arrière-goût assez acidulé qui rajoute. Ce côté est doux dans le mérite. En fait, c'est le mot, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Ça désapporte carrément. Ça désapporte. Oh non. En étant honnête, une quiche, c'est bon, mais une quiche, c'est le truc le plus facile à faire. C'est ça. Tu n'as pas de quoi, tu l'achètes, tu la poses dans le moule, tu mélanges œuf, un peu de crème, un peu de lait, boum, tu fous ça, c'est fini. Oh non, non, mais il a raison. La quiche a été toute dure, on dirait une sacoche. Oh non, vraiment. C'est trop ma quiche. Je vous déteste, vous deux. C'est le bébé, putain, c'est tellement facile. En une phrase, il rend ton plat inutile. Mais tout le monde le sait, en commentaire. Qui a déjà fourré une quiche? Personne. Personne ne fourre une quiche. Tu la mets dans le four, la quiche? J'ai dit personne ne foire une quiche. Ah, le foire. Tu as dit personne ne fourre une quiche. Moi, je me suis dit, c'est un bon endroit. Tu fourres des quiches, toi? Bah, jamais dans le four. Ton. Oh là là. Nos couverts, nos boissons. Et quand tu mets une boisson, il mélange deux boissons. Là, c'est une bois-boisson. Ou c'est une boisson-son. Je sais pas. C'est quoi? On dirait. Oh, vraiment, c'est un goût de médicament. Mais c'est pas grave, déjà. Non! Oh, mais t'as pas osé. Il a juste fait du riz, là, en fait. Non, il a fait du riz, c'est tout. Super juste, c'est pas ça. Il a juste fait du riz. Mais c'est juste, c'est pas du riz blanc. Bobby, me dis pas que c'est du riz blanc. Il a fait du riz comme un raciste. Il a fait du riz, il a fait du risque. Bon, les gars, madame, elle est autorisée à prendre les poulets. Madame, à la base, c'était pour elle. Sinon, ça se passe bien, vous, les gars? Non. Ok. Ouais, t'es gaze un peu, hein. Elle, la table, elle est pas nettoyée, frère. Les gars, c'est une dinguerie. Je comprends maintenant pourquoi tu rigolais. Si, je dois. Il a eu au KFC. Il y a un KFC au bout de la rue. Je suis passé par là pour venir. Ça va faire ça. Je vois, il rigole derrière. Il a ramené du riz du KFC. Il a pas fait ça. Il a pris du riz du KFC. Non, il a pas osé. Je le jure. Il a pas pris au KFC. Attends, sinon, s'il a fait ça, déjà, c'est tricherie. Et il a perdu. Non, mais vous, il a perdu d'office. Il a perdu d'office. Il a perdu d'office. Tu sais que c'est une dinguerie. Je vais me régaler, mais il aura zéro. Je vais faire un malaise. Si les gars, je vais faire un malaise. Je vais faire un malaise. Il a pas. Je sais pas comment. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Mais je pense pas, il a osé. C'est pas possible. Oh, son plat. C'est un KFC ou un SFC? Eh, moi j'espère juste une sauce. S'il n'y a pas de sauce mobile, t'es dans la merde. Eh, les gars, pitié, fermez les yeux. Regardez. Ok, ferme les yeux, on a rien à fermer. Je vais juste fermer mon estomac. Au noir. Wesh. Ça, c'est pas KFC, c'est quel foufou, chef. Eh. Olo, KFC, couche-patique, couchemar. Ah, quel farce, chien. C'est pas une boisson, c'est un antidote. Ouais, c'est ce que c'est, ça. C'est un élixir. Là, c'est de l'élixir. Ça, tu vois. Moment, tu vois, ça te donne du PV, ça. Ouais, et ça, là. Ça, je pense que c'est du sang de sacrifice. Ah, ok, le thème, c'est satanique. C'est ça. Ah, le thème, c'est Satan. C'est ça, en fait. Moi, je suis à on a un don de sang. Moby, c'est pour ça que tu veux plus aller à l'église en ce moment. Maman, elle est attristée. Hein. Mais regardez, moi, elle est triste. Moby, est-il un complotiste? Attends, il y a eu une attaque terroriste pas plus tard qu'il y a deux jours. Et... coïncidence? Je ne pense pas. Tonton, t'es le. Les États-Unis, depuis que Donald Trump était président. Et puis c'est là, Elon Musk a raté Twitter. Tu sais que ça fait 10 minutes, j'attends. Tranquille, attends, il faut pas qu'il. Ça fait 10 minutes, j'attends que Moby passe. Là, il a passé. Moby a bombardé. Moby a bombardé ici. Si on veut voir, pour le continuer à faire. Ne dis rien. Mes yeux saignent. Attendez. J'ai retrouvé à les yeux, je vous jure, mon repas, il lave son repas. Il a fait un cœur de ketchup. 3, 2, 1. Oh le fils.
Vas-y, un rapport. Vas-y, un. Non. Evan, carrément, tège-moi. C'est pas possible. Il avait un cœur, crâne, il veut se rattraper. Oh non. Maman va tomber de l'héritage. On fait le ratiné parce que raté de Moby. Riz ketchup, poulet ketchup. Non. Il a dit qu'il allait faire une masterclass. Mais ça, c'est le plat que tu fais quand t'as 6 ans, tu rentres, y'a personne chez toi. Vous voulez le froid. Il a refroidi entre temps. J'aime pas te couvrir. Mais ta gueule. Les gars, j'avais dit Moby, il est dernier. J'avais pas encore son, mais je savais, j'ai pris chaud, j'ai dit Moby va être dernier. Non. Le riz, c'est toi qui l'as. Les gars, je vous jure que je suis choqué là. Là, j'ai un choc dans ma tête. Moi aussi. On a eu à rater le riz. Il a raté. Moi en plus, j'ai pas le ketchup. Le riz, par pitié. Sans ketchup, parce que. Le riz le... Non, le riz, on dirait, il a plus de force. C'est du sable. Oh non, on dirait, il tient la vie là. C'est du sable. Il va mourir. Le riz, il rit. Avec le riz, j'ai ramené. Ta gueule. J'ai ramené l'Afrique. Ta gueule. Eh, sûr, t'aurais fait un gratin de foufou, j'aurais préféré. Je devais faire un riz poulet au curry, mais j'avais la flemme de faire les ingrédients, prendre les ingrédients de ça, tout j'ai. Ah, c'est scandaleux. C'est scandaleux que tu nous dis ça. T'aurais essayé. Scandaleux. Non, mais. Moi, j'ai essayé. Toi, t'as pas essayé. Eh, je vous jure que j'ai eu un espoir quand j'ai levé la tête et que j'ai vu les cubes hors magie. Mais est-ce que quelqu'un sent le goût d'un cube hors magie là? Le riz n'a pas de goût. Du riz blanc. Le riz, il a un goût négatif. C'est-à-dire que tu manges, il y a encore moins de goût que quand t'avais rien mangé. Même le riz, il est pas bon. En ça. Du riz blanc. Il est parti chercher du poulet à KFC. Il l'a coupé, il l'a mis dans la steak. Oh non, c'est dingue. Avec du riz blanc. Il l'a perdu. Il pensait que. Ah ouais, on n'allait pas le cramer. À ça, la diète préservative, je me dis, on peut pas faire pire. Et on fait tout. Mais en vrai, moi, j'ai le mérite d'avoir essayé. Je me suis battu avec la cuisine. J'ai eu des problèmes avec les plaques de cuisson, c'est pour ça le poulet. Bah, le poulet, c'est toi qui l'as fait. Là, il est allé chercher du KFC. Oh non, c'est là-haut. T'es une merde. Mais vous savez que. T'as une merde. C'est quoi la dinguerie? C'est qu'il n'y a même pas encore le dessert. Allez hop, ça va tweeter. Moby a perdu. Je pensais sincèrement que personne ferait pire que je te fâche. Mais le pire, c'est que même sur le poulet, il a du crevard. L'équivalent qu'on a, c'est l'équivalent de une tender sans. Découpé. Hein. S'il avait essayé de faire un poulet curry, il m'aurait lavé. Il aurait gagné. Il aurait pas été dernier. Toi. Là, c'est pour moi, c'est abusé. Non, là, c'est la goutte d'eau. Après tout ce qui s'est passé, tu passes en dernier. Tu as eu le temps de te préparer. Tu ne veux pas juste faire une quiche. Même si il a eu un an. Tu peux faire de fou! Un an. On l'a tourné en décembre l'année dernière, il a eu un an. Comment ça? Vous savez les courses ça a coûté combien en tout? 100 20, euros. 20 balles. Hein? 100 euros. Quoi? C'est pas 100 euros ça. Où est le boulet? Non mais où sont les 100? Enlève 2 euros. Enlève 2 euros s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui a coûté 100 euros là? Non mais littéralement enlève 2 euros. Là ça coûtait 20 balles. Le jus, le riz, les tenders. Y'a quoi? Peut-être pour le dessert j'espère. T'imagines, ça veut dire il a mis 70 balles dans le dessert? Moi j'y crois pas, y'a pas 100 balles. Y'a pas 100 balles. 67-72. On peut avoir du sopalin peut-être? C'est possible ou pas? On s'essuie quoi avec nos pieds? Comme dans la savane, c'est le... Je me désolidarise de chaise. Non, j'ai pas dit comme dans la savane, j'ai dit avec le savane, tu sais, le gâteau, le brownie savane, tu vois. Moby, je pense qu'il est un peu comme Messi. Tu sais, c'est un peu un génie, mais il est un peu... Non, c'est pas un génie, lui. Ah, il a coupé. Lui, il est gêné, là. Il est gênant. même si c'est arrêté à la quiche, tu as quand même mis dernier. Gros, tu passes pas un an après tout le monde, après avoir vu tout ce qu'on a fait, et tu fais une quiche en plus. Non, la quiche, certes, elle était bonne, mais en vrai de vrai, elle est ratée. C'est pas l'aspect d'une quiche, ça. Je suis désolé. C'est un cartable. Moi, j'irais pas jusque-là. Tu mets un dîner raté. Les gars, on va passer au dessert. Ça c'est le dessert. Je pense qu'ils ont kiffé de fou la moula, l'entrée. Ça se voit. Et le franchement, ça se voit. Ça se voit. Franchement, le dessert, il va encore plus. Alors là, je vais faire un mug. Un mug unité là. Non, ça a obligé masterclass. Tasse. Des œufs. Du Nutella. Je vais guetter une petite vidéo quand même. Mais comment ça soigne? Le riz, c'est trop bien. C'est ça, c'est ce que t'as vu. Merde, je crois que j'aurais dû mettre le micro. Oh, c'est la merde. Je veux dire par là, c'est que la tâche de base, il est très compliqué au niveau de la mousse. Je vais faire ça. Au bout de tout ce qu'on a fait, je vais sécaliser la tâche. Je vais sécaliser, c'est vous.
Il merde. Je vois pas ce qu'il fait, mais rien que l'aspect du truc, genre, je vois des tasses, il mélange dans des tasses. C'est une dingue. Gros. Ah, peut-être qu'il fait des mini gâteaux que tu mets au micro-ondes. Les micro-ondes, tu réchauffes là. Ah, les cakes micro-ondes ouais, là. Ouais, je crois que c'est de la merde ça, wesh. C'est de la dope, carrément. C'est de la dope, c'est pas de la merde. Ils sont en train de te déchirer sur un truc que t'as pas encore fait. C'est une catastrophe, le micro ne marche pas. Ça va niquer mon plat. Bon, on a plus de choses. Bon, les gars, sinon ça se passe bien, vous? Vous aimez bien votre. Oh non, il n'y a même pas eu d'animation. Si, elle sera pas. Attendez, les gars, j'ai une question. Faites tout ça, les gars, vite fait. Oui, c'est une question, Bobby. Est-ce que tu t'es lavé depuis hier? Parce que t'as encore le bracelet du badaboum. Il nous a amené nos verres comme ça en plus. Il a pris les verres comme ça. Ah, c'était un truc comme ça. Moi, j'aimerais savoir en plus. T'as fait quoi hier soir? Chess. Son bracelet est tout sec. Il est même pas animé. Écoutez-moi bien, devant Dieu, je me suis lavé ce matin. Vous êtes des fous, quoi, vous. Ah, bizarre. Tu t'es lavé comme le riz, tu nous as préparé. Seigneur Dieu. Moi, je trouve ça bizarre, quand même. Ouais, un bracelet en papier. Qui tient la douche. Personne. Qui tient la douche. Pas que... Qui tient la douche. Un bracelet en papier qui tient la douche. Attends, ça fait une semaine, il l'a. Mais c'est bien serré. Wesh, faut laisser respirer ton bras. Wesh, on dirait un garrot. Vaccin. What you got? En vrai, on a passé un bon moment, c'est cool, on rigole bien. Mais en vrai, là, au vu de comment ça se passe, j'avais mieux à faire. Je vous dis clairement, j'avais mieux à... On avait tous mieux à faire. Non, je me suis réveillé. Je me suis réveillé en sarre, j'étais malade. Mais les gars, la salade, c'est pas lui qui l'a fait. Au nom de Dieu, c'est dingue. Il a tout acheté chez KFC. Au nom, c'est dingue. J'aurais pensé qu'il avait acheté la salade. Tout attends, on aurait dû aller quoi, tous au KFC, oui. On va le bord, on prend notre menu, voilà. On mange tous ensemble. Voilà. On aurait dû faire ça en fait. Entre amis, il aurait perdu, mais on aurait bien mangé. C'est ça. Bon, je pense que c'est un. Vas-y, Liane. Les gars, en fait, je peux pas utiliser le micro. Du coup, ça va niquer. Bon courage. Bon, autant perdu pour perdu, autant leur vie sert. Mon gâteau. T'as vu? Eh bon, les gars, je préfère vous prévenir d'avance, c'est immangeable. C'est chaud. C'est quoi? C'est quoi? My goodness. C'est immangeable, ne mangez pas. Oh mon Dieu. Moi, mon dessert, on pouvait le manger. Bobby a fait pire, premier degré. C'est dinguerie. Mais c'est du caca. Mangez pas. C'est immangeable, mais je le mets là. Bon, c'est du caca. Mais c'est du... Ah, Mange pas, Evan, mange pas. Je vais le sûr, je vais être malade. Evan, pitié. T'as vu la texture, j'ai une grosse crotte de nez. T'as voulu faire un mug cake? Il a juste mis tout dedans, il a mis le micro. Mais c'est une dinguerie. En fait, il a fait un four. Moi, je vais franchement rien dire. Je vais rien dire. Oh non, j'ai envie de spoil. J'ai envie de mettre ça sur Twitter et dire regardez, mon pile a fait pire que moi, premier degré. C'est comme moi, je peux rater un bon photo. Ah, on dirait un crachat. On dirait du crachat. Ouais, en fait, il a fait des molars de cake. Il a fait des molars de cake. C'est même pas mélangé. Au moins, tu fais l'effort de douiller le truc. J'espère que t'as honte. J'espère que tu sais à quel point t'es une merde. Maman voulait pas toi de toute façon. Voilà, moi je te le dis. Gros. Sale raciste. Elle sait. T'es une merde. Riz, KFC. Et on est en train des quiches. C'est nous, tu nous rends des quiches. J'ai plus de voix, frère. Regarde le mollard. Evan, regarde-moi si vous voulez. J'avais oublié de leur faire goûter ça au dessert à cause de tous ces désagréments. Mais du coup, on va enfin faire goûter cette merveille au Jackson. Vu qu'ils ont osé insulter cette incroyable douceur. Du coup, on va commencer directement avec. Il est du sport, regarde cette masterclass. Les gars, c'est le moment. Non, les gars, venez, on y va. Les gars, venez, on y va. Eh, ça sent dégueulasse. Mais oui, j'ai pas peur. Hein.
commence à aimer. Evan, oh le truc, dis la vérité. Evan, dis la vérité. Merci. 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 Tu dis quoi? Attends. Evan, c'est lui-même. Non, attends, c'est pas bon, mais c'est pas bon. Non, genre, c'est en mode comme tu l'es, frère. Genre, c'est bon, mais sans plus. C'est pas un truc que je veux. J'ose pas. Non, mais regarde, je suis sûr que y'a l'aise. Chess, Chess, aïe, regarde, Chess. T'as vu, c'est pas dégueulasse. T'as vu? Je dirais pas que j'aime bien. Ouais, mais je dirais pas que j'aime pas. Allez, à la vôtre. Chess, très con, mon ami. Chess, très con, mon ami. À la nôtre. La bière céleste. C'est une victoire. Je ne connaissais pas ce mets. ce mets secret, ce mets interdit. Quel enfoiré. C'est nectar des dieux, si je puis dire. Quel élixir divin. Je vous ai dit quoi? Moi, je pense que même ça, ça peut vaincre le granit marin. Je pense que tu verses sur le granit marin, ça casse. Non, mais tu sais, comme je t'ai dit, moi, je trouve pas ça bon, je trouve pas ça pas bon. Je mets quand même zéro. Ça, c'est zéro aussi. Un petit point quand même. Attends, tu me dis que tu dis zéro, toi? Ouais, mais il est complètement allumé, ce mec. Alors, la Moby débarrasse. Bon débarras, j'ai envie de dire. Hein. On arrive déjà, pas d'animation, rien. On mange super tard, j'en ai marre, je suis à sec. Déjà, j'ai la voix cassée, il en rajoute. Il nous ramène une quiche. Je pense que c'était nous dans l'assiette, vu qu'il nous prend pour des quiches. Hein. La salade de KFC. De KFC, la salade. On dit ok, d'accord, l'entrée, 5 sur 10. Et c'est la meilleure note, hein. Et c'est la première. Ensuite, le désastre. Riz, poulet KFC, ketchup. Riz blanc, poulet KFC. Poulet KFC. 0 sur 10, Moby va te faire foutre. Je te le dis là, Moby va te faire foutre et au montage encore va te faire foutre. Mais du bon foutre, hein. Du bon foutre. Ensuite le dessert. Non mais. Le dessert. Le désert, c'est ça en fait. Non mais dessert nous en fait. C'est vraiment ça. Il voulait faire un mug au micro-ondes. Le mug n'était pas cuit. Il y avait de la farine même pas mélangée. Du Nutella, c'était pas bon. En fait, il nous a servi un molar. Voilà, c'est ça. Là, il fait. Le plat de Moby. 0 sur 10. Pointé. Moby a perdu cette édition. Par où commencer? En vrai, je suis dépassé. Là, je suis dans un état de choc. Je pense que ça s'est vu dans la vidéo. Il avait un an. Le mec avait un an pour se préparer. Vous vous rendez compte? Il avait un an. Un an et le mec est parti au KFC du coin. Le KFC est vraiment juste en bas là. KFC. Kentucky Fried Fufu. Comme je le dis, chacun, même tu m'aurais fait un gratin chihuahua que j'aurais préféré. Je l'avais dit en plus lors du passage de l'ONI. Ouais, Moby, il va être ça, etc. Mais j'ai bien fait de me raviser. Parce que dans mon dîner presque raté, j'ai dit non, Moby, en fait, j'ai pas confiance en lui. Il va foutre le feu à la cuisine, il va faire de la D. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait n'importe quoi. En fait, je suis dépassé par la situation. Il a acheté de la salade au KFC. S'il y a bien un endroit où ne pas acheter de la salade, c'est dans un truc où ça vend du poulet. On va passer aux notes. Déjà, la quiche, je n'ai jamais vu une quiche aussi plate. On dirait un mec qui vient de débuter la muscu. Le truc, il est comme ça. On dirait un débutant, c'est une semaine de muscu, la quiche. La quiche, elle manque de prot, elle manque de créatine, elle manque de tout. Bref, la quiche, elle est ectomorphe. Regardez, c'était comme ça, les lardons dans la quiche. C'était mangeable, c'était bon, mais déjà, tout le reste était cramé autour. Donc déjà, pour moi, ça, c'est une quiche ratée. Même si c'est mangeable, une quiche, en tous les cas, ça reste toujours mangeable. À partir du moment où tu mets tes œufs, ton lait, machin, t'as mélangé, tu mets au four, la base reste la même. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, la quiche, moi, franchement, la quiche, je ne lui mets pas plus de 2. Le plat, 0. Je ne vais même pas expliquer pourquoi. Les images parlent d'elles-mêmes. Après, tu viens, tu nous fais un cœur en ketchup. En vrai, tu viens directement pour te faire pardonner en mode ton plat, il voulait dire les gars, excusez-moi. Bon, et moi, c'est ça que j'ai vu arriver. Hein. J'ai vu arriver le plat, j'ai vu les gars, excusez-moi, les gars, désolé. Je pensais que c'était un mec bien. C'est une merde. Il n'aime pas débarrasser. On a enchaîné entrée, plat, dessert. À aucun moment il débarrasse, il nettoie la table, la boisson, et les boissons, on a dû les réclamer, on a dû quémander. Et le dessert. Le dessert. J'ai même vu des merdes de chiens qui sont plus appétissantes que ça. En vrai, les images parlent d'elles-mêmes. Ma réaction au moment où il sert le truc même pas mélangé, on voyait encore la farine. En fait, on voyait tous les ingrédients séparés dans une tasse. Comment tu peux voir tous les ingrédients séparés dans une tasse? Le truc, il est empilé. Mais malgré tout, t'arrives quand même à voir tous les ingrédients. C'est une dinguerie pour ça. Et son excuse, c'est quoi? Le micro-ondes, il marche pas. L'idée du mug cake en dessert, je t'aurais mis 0 d'office, même s'il avait été réussi. Ouais, 0, en fait, c'est 0, en fait, ça fait 0 plus 0 égale la tête à Moby. Vous inquiétez pas, les gars. C'est impossible, je fasse pire que Totoche, tout ça.
Mais moi, je me suis dit, c'est pas possible qu'il fasse pire que moi. Je vais vous dire un truc en toute honnêteté. Quand j'ai fait mon dîner presque raté, j'ai vraiment essayé. L'entrée, il a juste posé de la salade sans assaisonnement. Il a fait une quiche et je trouve que la quiche, c'est le highlight de ce repas. C'était ok, il l'a préparé, c'était bon, ok. Le reste, c'était une catastrophe. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de déco. Le riz n'était pas bon, il a raté le riz. Et le dessert, n'en parlons pas. Moi, vous l'avez bien vu, là, je suis fatigué. Je vais vous laisser. Mais que je veux pas voir un seul commentaire, non, Totoche l'a fait pire. Même mon dessert, il avait ni queue ni tête, mais mon dessert était mangeable. Là, il nous a juste ramené le dessert, il a dit regardez. Tu mets pas de notes ? Non, pas de notes. Azan Deko Nangate. A Baby Sigino. On va commencer par l'entrée. Entrée, deux, trois cauchemars. Pour reprendre en français, c'est un connard. Ce n'est pas mon frère. Moby, définitivement, en fait, vous savez, l'année dernière, on l'a pas trop vu parce qu'il y avait les études. Cette année, vous ne le verrez pas trop parce qu'on ne voudra pas de lui. La quiche, je lui mets un 6. Mais le plat entier, l'entrée entier, juste pour les salades, bien KFC, bien coin du marché, un pour l'entrée, je mets 2. Je mets 2. Il aurait pu avoir plus, mais sa salade de merde, j'ai pas pu. Et tout le reste, c'est 0. Et son caca qui nous a servi à la fin, ça, je m'en souviendrai longtemps. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était du caca, de l'excrément. Il a déféqué dans nos plats. C'est scandaleux. Sachez qu'à partir de maintenant, ne dites plus que Moby est mon frère. Et quand il sort des conneries comme ça là, sur Twitter ou quand il fait des conneries là comme ça, là, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas à la rescousse. Désormais, c'est votre problème. Bon les gars, bilan, franchement, masterclass. On va commencer par le commencement, l'entrée. Déjà rien qu'à la préparation, tu sentais qu'il y avait de l'amour, tu sentais qu'il y avait. Il y avait de l'expérience, il y avait de, tu vois, lardon, crème fraîche, ça. J'ai un peu raté cramer la quiche, donc franchement, objectivement, je me mettrais un petit 7 sur 10. En vrai, le plat, comme je vous avais dit au magasin, à la base, je voulais faire un poulet curry. Mais j'avais la flemme de prendre d'autres ingrédients, ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher, j'avais la flemme. Du coup, je me suis dit, riz, ketchup, poulet, tu vois, poulet KFC. Il n'y avait pas de poulet dans le Franprix. Du coup, je me suis dit, oh, il y avait un KFC juste en face. Autant profiter. Donc franchement, pour mon plat, vu qu'il y a eu un peu de triche, je me mets 4 sur 10. Désolé, mais il n'y a pas eu de triche. En fait, c'est incroyable parce qu'en fait, Moby est disqualifié. Non. Moby est disqualifié. En fait, c'est ça. Genre, disqualifié. Il n'y a pas de note en fait. Il est disqualifié. Il a acheté de la bouffe qu'il n'a pas fait en fast food. Gros, t'es disqualifié. Le dessert. Malheureusement, les gars, le micro ne marchait pas. Il y a eu un problème. Malheureusement, ça a joué en ma défaveur. Parce que... Tu me laisses un boutage. Bon les gars, fin de la vidéo, franchement, masterclass, regardez comment ils sont. Ça se voit, ils ont été bénis. Ils sont tout contents, tout bien mangés, regarde-moi ce petit chabat. Il aime ça, il a aimé la deuxième, tu vois. Mais bon les gars. Eh les gars, il y aura la partie finale du coup. A dit presque raté, restez branchés. Sur ce les gars, portez-vous bien, on se dit à la semaine prochaine, bisous. Hey, je compte sur vous hein, pour éteindre Moby en commentaire. Sa vidéo, là franchement, lâchez-vous.